Dans cette vidéo, on va voir tout ce que tu as besoin de savoir sur les sockets de domination, qui sont le tout nouveau système d'équipement qui va être mis en place sur 9.1 sur Shadowlands. Ça va impliquer un gros paquet de choses, donc de l'optique qui va être différente, ça va te demander potentiellement, voire même très probablement, de refaire tes légendaires sur un autre slot. T'inquiète pas, dans cette vidéo, tu vas savoir absolument tout ce que tu as besoin de savoir. C'est parti. Never. Alors, pour cela, je vais t'expliquer avec le jeu. Parce que du coup j'ai un petit personnage qui a été mis directement sur les serveurs PTR, donc il y a les différents sets d'équipement. Tu peux par exemple le voir ici, j'ai assujettissement runique qui fait que je peux bénéficier de mes sets runiques. Et j'ai sur chacune de mes pièces d'équipement les nouvelles sockets qui ont des effets très particuliers. Pour obtenir les gemmes, tu dois tomber des boss de raid. Assez basique, assez simple. Ces gemmes là, tu peux les avoir en tombant n'importe quel boss du raid et tu les chopes en rang 1. Les gemmes peuvent être augmentées de rang. Je vais te montrer les différents types de gemmes qui existent. Il y en a 3 dans chaque catégorie. Les 3 catégories de gemmes sont Blood, donc sang, givre et impie. Ok ? Comme l'espé du DK. Donc tu as 3 gemmes Blood, 3 gemmes Frost, 3 gemmes impie. Sachant que tu ne peux pas cumuler la même gemme exacte. Par exemple, tu ne peux pas avoir 3 fois Shard of Dease. Ce qui fait que quand tu fais des dégâts sur ta cible, plus tu en fais, plus ça va augmenter les dégâts que tu fais sur la cible. Ça, tu ne peux pas l'avoir plusieurs fois, donc tu peux le sélectionner qu'une fois. Au total, tu peux avoir 5 équipements qui peuvent avoir des gemmes. Donc parmi ces 5 équipements-là, tu as pour tout le monde tête, épaule, torse. Le gros basique, okay, les grandes parties de tes pièces d'équipement, tête, épaule, torse, tu peux mettre des gemmes dessus. Outre ça, tu peux également en avoir sur 2 types d'équipements qui vont dépendre du type de revêtement que tu portes. Si tu portes du tissu, c'est sur les bracelets et la ceinture. Si tu portes du cuir, c'est sur les gants et les bottes. Si tu portes de la maille, c'est sur la ceinture et les bottes. Et si tu portes de la plaque, c'est sur les bracelets et les gants. Il faut looter des pièces particulières dans le raid ou alors en acheter, mais ça je vais y revenir après, qui ont ces slots de gemmes. C'est-à-dire que ta légendaire n'a pas ce slot de gemmes. Donc si par exemple tu as une légendaire qui est soit sur tête, épaule, torse, tu vas devoir la refaire sur une autre pièce d'équipement. Si tu as une légendaire qui est, bon, par exemple, tu es en cuir sur bottes ou sur gants, tu vas également devoir la refaire ailleurs. Ok ? Tu as besoin vraiment, vraiment d'avoir ces sockets. Ça va faire une grosse différence, c'est vraiment important. Et je vais t'expliquer l'opti également des sockets, ça va arriver juste après. Tu peux également, si tu, par exemple, montes un nouveau personnage, etc., et que tu vas avoir des sockets de domination, en dehors du raid, il existe un moyen d'en obtenir, c'est de dépenser des stiggies, donc qui je pense vont être reset, qui te permet ensuite d'acheter ces objets là. Ils sont 220 000 levels et comme tu peux le voir, ils peuvent avoir une socket. Bon, ça c'est une des solutions, mais grosso modo tu vas tomber ces équipements là avec la possibilité de mettre des sockets en faisant le raid. Le raid va vraiment être la majeure partie de système de sockets que tu peux avoir. Je vais t'expliquer également où ça marche, comment ça marche et tout. T'inquiète pas, il y a beaucoup d'infos, mais je vais essayer de bien te démystifier tout ça, histoire que tu captes bien à la fin de cette vidéo. Si tu restes bien au bout, t'inquiète pas, t'auras toutes les infos qu'il faut. Alors, on va checker rapidement déjà que font les sockets, les gemmes, que tu vois un petit peu quel est l'intérêt. Donc, parmi chaque catégorie, tu as une qui est de dégâts, une qui est de heal, et slash tank, et une qui est utilitaire. Toujours. Dégâts, heal, utilitaire. Dégâts, heal, utilitaire. Du coup, on va voir plus en détail un petit peu rapidement qu'est-ce qu'elles font. Juste que tu vois un petit peu les différents effets. Dans l'école 100 par exemple, tu as le fait que celle qui est en dégâts qui fait que tes dégâts sont augmentés de 2% quand tu as 50% ou plus de points de vie par rapport à la cible. Alors ça doit marcher en pourcentage, sinon ça marcherait pas souvent en raid. Mais du coup si tu as un pourcentage d'HP plus élevé que par rapport à la cible, ça va augmenter les dégâts que tu vas lui faire. Celle qui est en soin, c'est les soins que tu reçois sont augmentés de 1%, ton maximum de points de vie est augmenté de 400. Celle qui est en utilitaire, c'est que ta ponction est augmentée. Sachant que du coup, tu as le rang 1, 2, 3, 4, 5 à chaque fois. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard les rangs de gemmes. Celle dans l'école de givre, ça fait que tes dégâts sont augmentés de 3% pendant 20 secondes après avoir attaqué un ennemi qui n'a pas reçu de dégâts. Donc en gros, dès que tu vas taper un nouvel ennemi qui n'a pas reçu de dégâts, tu vas recevoir un buff sur toi qui augmente tes dégâts de 20%. Ça c'est vraiment important, c'est que le buff il est sur toi et pas sur l'ennemi. Donc par exemple en raid, il y a une nouvelle vague de monstres, tu les tapes, boum, tu récupères le buff. Même si tu tapes le boss, tu auras quand même le buff. Et celle qui est en heal, ça fait en sorte que les critiques de tes heals vont mettre un bouclier sur la cible d'absorb. Et celle en utilitaire fait que pendant que tu ne bouges pas, tu vas gagner de l'absorb pendant 5 secondes jusqu'à un cap de 4400.
Au niveau de scène impie, tu as le fait que faire des dégâts à une cible, fait en sorte que tu augmentes tes dégâts, fait la cible de 0,33% qui se pendant 4 secondes, qui se stack jusque 3 fois. Donc en gros, ça va être un stack qui va très probablement se maintenir sur la cible, et en gros, tes dégâts vont être augmentés sur la cible, mais pas pile à l'open, comme celle avec Frost, mais ça va se construire petit à petit, parce que tu vas devoir monter en continuant de taper tes stacks, donc au bout de 12 secondes, tu auras tes 3 stacks, et tu vas augmenter tes dégâts fait de 1% sur la cible. En niveau heal, pour celle de l'impie, ça fait en sorte que tes sorts utiles, donc tes sorts pour aider, pour soigner et compagnie, ont une chance de faire en sorte que ta cible ait une aura impie, qui va drainer 221 de vie des ennemis qui proches toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Donc ça, c'est celle pour faire un peu plus de dégâts. Et tu as également celle en utilitaire qui fait que ta vitesse est augmentée de 35. Donc ça, c'est pour l'ensemble des sockets. Le truc, c'est qu'il y a également une histoire de... d'ensemble de gemmes. Donc, en gros, tu peux avoir des bonus de 7 liés à tes gemmes. Je vais te les expliquer tout de suite. Si tu as 3 gemmes, 3 mêmes gemmes, et que tu as la pièce du raid qui correspond, tu peux débloquer un bonus. Donc, à partir du moment où tu as, par exemple, débloqué le casque, il est impie. Okay, le casque, il a le bonus de 7 impie, il permet de déclencher le bonus de 7 impie. Je vais te montrer rapidement sur mon jeu. Là, par exemple, je suis sur le PTR, sur mon personnage, il a, ça tombe bien, il a looté le casque qui dit « Bonus, enchâsser 3 éclats impies pour obtenir Plaie du Chaos. Plaie du Chaos arrache des fragments d'âme aux ennemis que vous touchez, ce qui augmente votre caractéristique principale et leur inflige des dégâts d'ombre. » Donc ça, par exemple, c'est la tête, et la tête, elle te permet d'avoir le bonus. Pour déclencher ce bonus, il faut, au total, sur ton équipement, 3 gemmes impies qui sont mises. Bon, c'est pas mon cas, par exemple, j'ai que 3 pièces ici, et les 3, elles ont une gemme Frost. Bonus, enchâsser 3 éclats de givre pour obtenir Vent de l'Hiver. Vent de l'Hiver se déclenche périodiquement pour te protéger et infliger des dégâts aux ennemis en fonction de tes coups critiques. Donc en gros, si j'ai 3 gemmes Frost, je débloque ce bonus. En l'occurrence, j'ai 3 gemmes Frost équipées sur moi, donc j'ai... mes vents de l'hiver qui vont me protéger. Donc, par exemple, si on regarde les soins prodigués ici, j'ai accrétion qui m'a fait soigner de 10k juste pour aller tuer un petit monstre par là-bas. Et j'ai également des dégâts qui ont été infligés par vent de l'hiver. J'ai 926 dégâts qui ont été infligés par mon vent de l'hiver. Ça, c'est parce que j'ai 3 gemmes frost, comme on peut le voir ici, et que du coup, j'ai la pièce en épaule qui me permet de débloquer le bonus de 7. Et ensuite, le dernier, il est sur le torse, et c'est du coup celui en sang. Donc enchâssez 3 éclats de sang pour obtenir lien de sang. Lien de sang draine les points de vie des ennemis et les redistribue à vos alliés et à vous-même. Et donc ça, pour le débloquer, il faut 3 gemmes sang. Je pense que tu vois l'idée. Le truc, c'est qu'il faut pas s'arrêter là-dessus, parce qu'il y a des petites contraintes au fait de débloquer ça. En gros, ces bonus-là, de 7, pas les gemmes, les 7, ne marchent que dans certains types de contenu, c'est-à-dire l'antre. L'antre, là où je suis, par exemple, sur mon personnage, Torghast et le raid. Donc en gros, si tu veux faire du mythique plus, si tu fais du mythique plus, ce bonus là que tu peux avoir du fait d'avoir les 3 mêmes gemmes ne te sert pas, il ne sera pas activé et tu n'auras pas le buff écrit en haut à droite de connexion runique qui te dit assujettissement runique, pardon, qui fait que la présence de la magie de domination est particulièrement forte dans cette zone, dans l'antre, s'équiper de 3 éclats de munition du même type confère le pouvoir d'un mot runique. En gros, tant que tu n'as pas ce buff en, au niveau de ton personnage, tu ne bénéficieras pas de son effet même si tu les as sur toi. Donc ça ne marche pas dans tout l'ombre terre, comme on pourrait le croire. Donc dans les mythiques plus et compagnie, ça ne marchera pas. En PVP, dans l'arène et tout, ça ne marchera pas. Ça va marcher, basiquement, dans l'antre, Torghast et le raid. Donc, ce que ça va impliquer, c'est que potentiellement, tes sets d'équipement ne seront pas les mêmes entre du raid et du mythique plus, parce que tu n'auras pas besoin d'avoir nécessairement 3 mêmes gemmes de la même école. Le bonus que tu vas aller chercher dans du raid ne sera du coup pas le même que le bonus que tu iras chercher dans du mythique plus. Et par contre, les gemmes, oui, fonctionnent partout. Donc par exemple, si tu as décidé d'avoir 3 fois les gemmes de dégâts parce que t'es un damage healer et que t'as envie de mettre des gros dégâts, donc le fait par exemple de faire des dégâts augmentés dès que tu as tapé une nouvelle cible pendant 20 secondes, ce buff là, il marchera également en mythique plus. Bon, j'espère que tu vois l'idée, c'est honnêtement pas très clair, je trouve, hein, de juste comprendre tout ça, parce que ça rajoute un nouveau système, c'est pour ça que je te fais une vidéo, c'est pour ça que j'essaie de te montrer, de t'expliquer, etc. Si t'as des questions, t'hésites vraiment pas, tu les poses en bas, tu les poses directement en commentaire, parce que de toute façon, tu seras probablement pas le seul à avoir des questions. Mais dans l'idée, en tout cas, les gemmes marchent partout, juste le bonus de gemmes, du fait d'avoir 3 gemmes de la même école, ne marche
Dis-toi que pendant le raid, Thorghast et l'antre. Ok. Ensuite, il est possible de monter les gemmes. Donc les gemmes de base, tu les débloques en rang 1 et avec des Stygian Humber, tu peux les augmenter dans les rangs. Pour monter rang 2, il faudra 5 Stygian Humber, rang 3, 15, rang 4, 30, rang 5, 50. Donc évidemment, le prix ne fait qu'augmenter en fonction des rangs. Donc au début, ça te coûte 5, après ça t'en coûte 10 de plus, après ça t'en coûte 15 de plus, après ça t'en coûte 20 de plus. Pour augmenter les rangs, sachant que les rangs, c'est exactement comme le système de conduit, c'est-à-dire que t'as un rang 1 et plus tu vas monter, plus tu vas augmenter. Par exemple, le rang 1 de celle de Frosch, parce qu'elle est assez claire, c'est 3%. Quand t'as le rang 2, tu vas augmenter tes dégâts de 3,38%, etc., etc. Et au max, du coup, t'as 4,5% d'augmentation de dégâts. Donc à partir de là, il va falloir que tu obtiennes cette nouvelle monnaie, les Stygian Humber. Comment on obtient les Stygian Humber? C'est parti. Donc les Stygian Humber, la nouvelle monnaie, ça va tomber basiquement juste en tuant les boss de raid et en faisant une quête hebdomadaire, Shaping Fate, qui va t'en donner 10. Donc en gros, tu auras une quête hebdomadaire à faire, qui est vraiment importante parce que 10 c'est beaucoup et monter ses gemmes ça va quand même t'apporter un apport de DPS conséquent. Et le deuxième truc, c'est qu'il va falloir tomber les boss du raid. Est-ce que le fait de tuer dans toutes les difficultés va t'en donner plus? C'est pas dit. Il y a rien qui te dit ça. Honnêtement, je pense pas que ça sera le cas. Par exemple, si on revient un petit peu dans le passé, il y avait un système d'écho de Nyalota qui te permettait de faire plein de trucs hein, au niveau de la corruption et compagnie. Quand tu tuais le premier boss du raid en mythique, si tu allais le retuer en héroïque, tu ne regagnais plus de monnaie. Ok? Je pense que ça va être pareil ici. Mais j'ai rien qui me l'affirme. Donc typiquement, ici, le premier boss du nouveau raid, c'est Taragru. Si tu vas tuer Taragru en mythique et que ensuite tu vas le tuer en héroïque, normalement, pour moi, tu ne tomberas pas de Stygian Humber. Sinon, si ça marche, ce que ça veut dire, c'est que les premières semaines, tu vas devoir clean le raid en normal, en héroïque et au max en mythique. En gros, tu vas devoir faire tous les niveaux de difficulté pour augmenter ton nombre de loot, parce que comme ça, ça va te permettre d'avoir plus d'ambre et qui vont te permettre de monter plus rapidement tes sockets. Et ça, c'est vraiment important. L'autre truc qui est important à savoir, c'est qu'avec les Stygies, tu vas pouvoir acheter un objet qui te permet de retirer tes sockets et qui est un objet qui n'a pas de durée de vie, donc qui est utilisable un nombre indéfini de fois dans le temps. Donc en gros, une fois que tu vas monter un socket, une gemme, tu n'auras pas besoin de remonter cette gemme. Juste, tu vas la retirer, tu l'extrais, tu la récupères et tu peux la remettre sur autre chose. Imaginons, tu tombes sur un torse en 239. Je crois que c'est le level de l'Heroic. Sur ton torse là, justement, t'as mis ta gemme. T'as mis ta gemme de dégâts, t'es content, t'es heureux. Et tu dis, putain, en fait, j'ai eu le torse mythique, j'ai envie de changer. Donc j'ai envie de prendre le torse qui est level mythique. Là, ce que tu vas faire, du coup, c'est que tu vas extraire la gemme du torse héroïque avec cet objet, qui coûte 2500 Stygies, donc ça devrait aller assez vite. Tu extrais cette gemme, tu la récupères dans ton inventaire, tu équipes ton torse mythique, et tu mets cette gemme dessus. C'est basique, assez simple. Donc en gros, tes gemmes, tu vas les avoir besoin de les avoir qu'une fois au rang max, et après tu les retires et tu les remets sur ce qui te fait plaisir. Sachant que ça se cumule pas d'avoir plusieurs fois la même gemme. Donc en gros, tu auras tes 9 gemmes, et ensuite tu vas monter celles que tu trouves les plus utiles dedans. Sachant que ça amène à cette question de qu'est-ce que je vais monter en priorité? Qu'est-ce que tu vas monter en priorité? Ça va dépendre de ta classe, ça va dépendre de ce que tu recherches à faire. Est-ce que tu veux burst cache le boss? Est-ce que tu as des dégâts continus et compagnie? Et est-ce que tu vas faire rang 1 pour toutes, rang 2 pour toutes, rang 3 pour toutes, rang 4 pour toutes? Ou est-ce que tu vas en mettre une direct rang 5 et les autres rang 1? En l'état, il y a quasiment tout qui montre que tu vas les monter tout petit à petit. Donc il vaut mieux, par exemple, si tu es un DPS, il y a très très grande chance que l'opti, ça soit de monter toutes tes gemmes de DPS rang 2, donc tu montes tes 3 gemmes de DPS rang 2, tu montes tes 3 gemmes de DPS rang 3, 3 gemmes de DPS rang 4, et ensuite seulement tu les montes rang 5. Ça me semble bien plus optimisé que de chercher à en monter une de DPS rang 5 et laisser les autres rang 1. Mais ça, ça va dépendre, c'est pas une vérité absolue, c'est mon ressenti et c'est ce qui a l'air de se présumer. Mais bon, l'opti exact, on verra plus tard, on verra quand ça sortira, mais ça a l'air d'être le cas. Du coup, en bref, ce qu'il faut que tu retiennes, il y a pas mal de choses qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on aura au total 5 gemmes de domination qui vont vraiment faire une différence monstrueuse. Ces gemmes de domination marcheront dans tous les types de contenus, donc ça marchera également en Mythic Plus, donc bien faire gaffe à ça, tu vas probablement avoir à des moments, à changer tes gemmes de domination pour mettre quelque chose de plus optimisé, parce que potentiellement, des fois, tu voudras moins de dégâts, tu voudras plus utilitaire, plus de survie ou plus de trucs comme ça. Ces gemmes de domination, tu vas devoir les monter en rang en faisant des contenus qui te permettent en faisant des contenus dans l'antre pour récupérer des Stygies. Ces gemmes de domination, tu vas pouvoir les monter en récupérant la nouvelle monnaie
qui est débloquable dans le raid et en faisant une quête hebdomadaire. Donc ne pas rater cette nouvelle quête. Et tout ça, tu vas le looter au niveau du raid. Donc grosso modo, t'as pas grand chose de base à savoir, outre le fait qu'il faut que tu prépares ta nouvelle légendaire. Si ta légendaire est sur un des 5 slots de gemmes, il faut que tu la craftes ailleurs. Alors, là-dessus, il y a pas mal de trucs. C'est que sur beaucoup d'objets, ils en ont bien conscience, c'est la merde. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont augmenté les possibilités de slots. Par exemple, je vais te prendre l'exemple de mon voleur, parce que c'est très très parlant. Mon voleur, en assassinat, il a sa légendaire qui est sur les gants. Okay. Donc sa légendaire, elle est sur les gants, et de base, c'était ça qui était l'opti sur 9.05 et compagnie, donc je l'ai fait là-dessus. Le truc, c'est que les gants, ça va être un des endroits où il y aura les sockets de nomination, et je peux pas le mettre sur ma légendaire. Donc là, c'est mort, il faut que ma légendaire change de slot. Sauf que sur la version actuelle du jeu, ça peut juste être sur les gants ou sur l'épaule. Alors, le truc, c'est que si je le mets sur l'épaule, c'est le même bordel, c'est là où il y a les sockets de nomination. Donc ils ont pensé à ces cas-là, c'est le cas du prêtre, c'est le cas du voleur, c'est le cas de beaucoup de classes, c'est le cas du chasseur également. C'est-à-dire que quand tu es dans ce cas de figure-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont débloquer un slot supplémentaire. Donc généralement, légendaire, tu ne mettais que sur 2 slots. Ici, par exemple, ils ont augmenté les slots. Donc dans mon cas, je joue, entre autres, c'est la légendaire mono-cible, l'âme du destin. Elle peut être mise sur épaule et main, comme je t'ai dit, mais ils ont rajouté une option avec 9.1 qui est de la mettre sur le dos. Donc en gros, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'attende la sortie de 9.1. Quand 9.1 sort, je vais mettre ma légendaire sur le dos. Donc en gros, je m'achète déjà mon dos rang 4, machin, machin. À partir de là, boum, je passe ma légendaire sur le dos avec les stats qui me vont bien, mais je recrée ma légendaire sur le dos parce que je veux libérer le slot des mains qui me serviront pour avoir les gemmes de domination. Ça, c'est vraiment important que tu fasses gaffe parce que du coup, il te reste encore un tout petit peu de temps pour aller refaire du Torghast, choper des cendres d'âme, et il faut que tu en aies bien conscience. C'est que déjà, les prix légendaires vont sûrement grimper, mais bon, ça tu verras en fonction de tes PO. Mais surtout, en fait, il faut pas que ta légendaire soit sur un des slots de gemmes de domination. Et ça, faut y faire gaffe dès maintenant. Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo sur les sockets de domination. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Voilà, que la chaîne n'avait pas été très active avec la fin de 9.05 et plus grand chose à dire. Je me suis permis de prendre une petite pause. Donc t'inquiète pas, ça va revenir d'enfer. Il va y avoir des vidéos, des explications, des guides, des machins, des trucs à gauche, à droite sur les différentes classes. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, mettre ton meilleur pouce bleu et me dire que ça te fait kiffer que les vidéos reviennent. Je te souhaite une excellente journée. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.